Et bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 10 de notre aventure sur South Park, l'anal du destin. On avait deux missions assez importantes, deux missions principales. Le fiasco free médical qui demande un niveau de puissance de 140, chose que je n'ai évidemment malheureusement pas. Et nous avons aussi le choc des mondes parallèles bis, aide l'homme cerf-volant chez Kale, 140 aussi de puissance, chose que je n'ai toujours pas. Néanmoins, grâce aux artefacts, je pense qu'on va pouvoir changer 2-3 petits trucs, parce que là, ça risque d'être assez compliqué, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, est-ce que c'est pas mieux de prendre ça, finalement? Avoir plus de muscles. Moi, ça me paraît pas mal, plus de muscles. Hein. On va prendre plus de muscles. Et là, malheureusement, c'est assez compliqué. On peut pas avoir plus en termes d'artefacts. J'ai que ça. Ah mais non, 140 de puissance. Aïe, 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 aïe. Talisman des enfers. On a notre puissance de 140. Notre puissance qui était conseillée. On va pouvoir faire la mission. Donc, c'est parti. Normalement, ça devrait le faire. C'est quoi ce bruit? Ok, on y est. C'est dans cette ruelle. On y va, les gars. Tu as fait une grossière erreur en t'attaquant à nous. Oh mon dieu! Il n'y a qu'un homme pour les battre. Allez, on bat les trois filles. Bienvenue au raisin, je peux te casser la gueule, mon cœur. Non. Pour une raclée? Ah non, les cinq filles, pardon. C'est terrible. Qu'est-ce que vous faites à cinq, mesdames? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux me mettre ici et faire ça. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool parce que j'en touche trois. Boum! Ça me paraît pas mal. C'est parti, venez mesdames, venez vers moi. Aïe, putain non, je pensais toucher l'autre. Au fait, je crache dans votre bouffe. Ok, hop, attendez. On va profiter de sauter son tour à elle m'intéresse pas. Comme ça, c'est 45 de dégâts de sauter. Ma mère filait à mon père. Elle est pas me toucher. Y a que elle, c'est pas mal de s'en trouver comme ça. Ok, ça me va. J'ai beaucoup de vie maintenant. Hein. Avant, j'avais beaucoup moins de vie. Bon, bah les gars. Les gars, on est pas mal ou on est pas mal ou on est pas mal? On est pas mal. Allez, c'est parti. Ce pouvoir, c'est la vie. Venez par là avec coup de repoussement. J'en ai mis deux KO, c'est incroyable. Pour toutes les filles qu'on oblige à porter des collants transparents. Ah oui, d'accord, par contre, oui, forcément. Forcément, je suis un flipper. Je suis une boule de flipper. Tu as commandé la raclée à l'ancienne, c'est avec moi. Je peux t'apporter autre chose? Oh là, je pense que je mérite ou pas là? Je prends clairement ce que je mérite. Je vais vous montrer d'où vient le double choc de nos ailes de poulet double choc. Ok, ok. Ouais. Ça me paraît un peu compliqué. Je sais plus, j'ai combien de vie j'ai. Oh là là, j'ai. Aïe, aïe, aïe. J'ai pas trop le choix, j'ai pas trop le choix. Oh mon Dieu, je viens de comprendre pourquoi ça s'appelle raison. Comme ici. Ça, j'en touche 3, c'est pas mal, c'est le meilleur combo que je peux faire. Arrête, je me mets full life après. Mal, ah non, je suis mort. Va falloir le refaire. Va falloir le refaire, je suis totalement mort. Alors les mecs, vous vous amusez bien? Je suis totalement mort, c'est un échec cette première. Aïe, 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 aïe. Bah c'est pas grave, l'idée était pas dégueulasse. Mais elles ont vaincu. Elles ont vaincu, donc on est reparti. Énième tentative, deuxième pour être plus précise. Donc on y retourne dans cette ruelle. On va y arriver, hein. Faut avoir la bonne technique. Là clairement j'avais fait le con. Ok, allez, je passe à la cinématique. Oh là là, les filles du raisin sont chauds. Bon! Je vais vous montrer d'où vient le double choc de nos ailes de poulet double choc. J'ai peut-être ma petite idée. Elle. Voilà. Elle, déjà, on s'en débarrasse, ça c'est fait. Ensuite. Ça, c'est pour toutes les filles qu'on oblige à porter des collants transparents. Ok. Eh ben, si je peux pas attaquer, personne n'attaque. Nouvelle règle. Là, je peux en toucher 2, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Ça, c'est cool. Oui, petit. On va voir combien il m'inflige. Comme ça, on est déjà plus de 2. Hop, on remonte le temps. Hop, toi, tu sautes ton tour. L'autre, je sais pas combien elle va mettre. Je vais te donner le genre de dernier. Ouais, mais mec, que 32, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. Ok, hop, on a récupéré ses HP. Au fait, elle est pas rien à faire, finalement. C'est pas mal, ça. Allez, déjà 2 KO. Et elle qui est le HP derrière, ça, c'est plutôt cool. Oh mon Dieu, je sens qu'on va s'amuser. Ouf. Elle va me faire un repoussement, ça va être assez terrible. Celui-là, tu le sentiras quand tes boules seront descendues. Ok, c'est pas mal. Elle a combustion. Dieu, partout, il y a moyen de le prochain tour. Elle va me mettre ce que je mérite. Mais ça va, c'est du 32. Mon lait pour le corps est parfumé à la 30 plutôt, parce que je récupère 2 HP. Encore 30. Yes. C'est pas mal.
Et là, elle brûle. Elle est morte? Elle est totalement morte. Elle est totalement morte, on va se mettre à sa place. On va la brûler, elle. C'est pas mal. Je me sens pas bien. Bon, normalement, c'est fait. Hein. Ça, c'est une histoire... On va encore reculer, d'ailleurs. Et ben voilà, c'est terminé. On s'en sort beaucoup mieux quand on réfléchit correctement. Et bien voilà. Attendez, vous allez faire quoi, là, mesdames? Tu t'es embrouillé avec la mauvaise salope. Tu te crois vraiment balèze, hein? Eh bien, on a quelqu'un à te présenter. Dis bonjour, Rebecca. Je vais te casser en deux et t'enfoncer dans mon cul. Rebecca! Oh, je connais quelqu'un qui va se retrouver dans un endroit sans... Attends, remonte le temps, c'est quoi ce délire, là? Calme-toi, petite. Oresa, on n'est pas du genre à se laisser faire. Allez-y, je vais mourir, en fait. Oh putain. Quoi? Il y a 1000 personnes qui taguent ma photo en cours de danse sur Instagram. Je suis en train de me faire bitcher total. Putain de... Ezer, pourquoi t'as tweeté que je sortais avec Eric Cartman? C'est pas moi! Je me fais carrément bitcher, là! Putain, j'y crois pas! J'ai perdu tous mes followers! Où est l'ordinateur le plus proche? Fais chier, putain merde! Bonjour, le nouveau. T'inquiète, je dépopularise leur profil Instagram de manière exponentielle. On ne les reverra pas de sitôt. Il faut faire attention quand on joue aux super-héros, on peut se faire beaucoup d'ennemis. Certains mecs pensent que les filles ne font pas de bons super-héros. Tu penses quoi, toi? Tu penses que les filles savent aussi bien jouer que les garçons? Tu préfères garder le mystère, hein? Très bien. Écoute, on a un problème. Je sais pas ce que tu as fait la nuit dernière, mais tu as attiré l'attention de pas mal de gens. Des gens méchants. Un certain Caïd fait sa loi à South Park, et il prévoit de se lancer dans la course à la mairie. Tes récentes actions les ont effrayés. Je traque tous les comptes Instagram et Facebook, et je vais continuer avec Tumblr, tout en gardant l'œil sur Twitter et LinkedIn. Si tu as besoin d'infos, sache que tu peux compter sur Rabatteuse. Fais gaffe, mec. Ok, tu as gagné, victoire, encore de l'XP, ça c'est plutôt cool. Recette scarabée de Riley, infusion de phéromones. D'accord, c'est pas mal ça, cet ADN supplémentaire. Je pense qu'on ira faire un tour, il faut changer notre costume, ne l'oublions pas. Alors c'est parti, direction costume. Comment on va s'habiller dans cet épisode? Comme ça, c'est compliqué. Comme ça, ça fait un peu catcheur avec le t-shirt de flamme. Ça me plaît bien. Les gants. Et pourquoi pas... Voilà, le masque, mais on ne le voit pas de toute façon. Donc ça change strictement rien. On est parti, on continue les gars. On est en plein milieu d'une quête. Emprunte la ruelle, c'est fait. Et rends-toi au poulet frit médical. Il est où? Bougez pas. Ok, il est dans la ruelle juste là-haut. Donc normalement, ça devrait le faire aussi. Qu'est-ce qu'on a là? Attends, je peux pourrir ces chiottes? Aïe, 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 ça va être compliqué. Ok, on est pas mal. 4 niveaux. Voilà, excellent. On met les gaz. Voilà, c'est pas mal. Joli. On secoue encore, on remet les gaz. D'accord, voilà. Hop, d'accord, toujours. On remet encore les gaz. Ça va être beau, ça. Pas mal. Oh, putain. Ah, putain. C'est terrible, les combinaisons qu'ils te demandent, hein, les mecs. Hein. Voilà. Ça, c'est beau, ça. Putain, j'ai 2 antennes, les gars. C'est terrible. C'est terrible. Ok, on peut continuer. Ah, 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 bougez pas. Voilà, j'ai cassé une antenne. Je sais pas à quoi ça mène. Ah, peut-être que quand Monsieur Diabète sera là, il pourra faire tomber ça. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça sert à rien. Je peux remonter le temps n'importe comment, mais là, aucune raison de le faire. On peut continuer. Où est cette petite ruelle? Ah, mais c'est là! Vous êtes un mineur et vous approchez de substances réglementaires. Éloignez-vous de la porte, vous serez abattu. Dommage, le nouveau. Les mineurs sont pas admis dans ce genre d'endroit. Ok. Redis-moi tout, Morgan Freeman. Bien sûr, tu n'es pas n'importe quel mineur. Ouais. Qu'est-ce que c'est?
Recette Chimprarito au fromage objet clé. Très bien. Ok, trouve les ingrédients du Chimprarito au fromage. Très bien, c'est-à-dire... achète des crevettes City ultra épicées. Bah, c'est tout à gauche. Tout est à gauche et trouve le pissade vieilli sur le toit de Skeeter. C'est tout à gauche, aucun problème pour y aller, je pense. Et là... Tu te rappelles les Wonder Twins? Je me rappelle, et leur singe de l'espace domestique. Ça, on avait déjà lu, ouais, c'était tu terrible. Souviens, tu te souviens de ça? Allez, on tu se casse. Wonder Woman avait un avion invisible. Ah oh, ouais, attends, je me rappelle. Okay, donc c'est tout là-haut. C'est tout à gauche, c'est la première fois qu'on va y aller, il me semble. Attendez, je vais envie de vous dire nain. Ouais, je crois que c'est la toute première fois, et d'ailleurs, qu'on a accès aussi au parc. Ah oh, putain, elle est lourde. Ta gueule. À part faire ça. Ah, comment on peut y aller? Ça va être compliqué, ça, hein. Ok. Ça va être tellement compliqué, cette histoire. J'essaye de réfléchir. La ruelle... Pff, je vois pas. Je vois pas, mis à part faire tout le tour. On va voir, on va voir. Peut-être que ça mènera à rien, cette histoire. Mais au moins, on aura essayé. Et ça, c'est le principal. Toujours essayer dans la vie. Oh là là, on est tellement loin de tout. On peut pas aller plus vite. Attendez, est-ce qu'il n'y a pas une TP rapide? Non. Je vois pas, hein. À part par les rues, hein. Donc, regardez bien. Regardez bien ce qu'on va tenter. Hop, ici, on peut pas partir, ça sert à rien. On va descendre par là, d'accord? Ensuite, on va aller directement à gauche. Mais alors, pourquoi ils nous auraient demandé de passer la ruelle? Si c'est pour... vous voyez ce que je veux dire? C'est très bizarre. Ah merde, je pensais qu'on pouvait faire un petit... Hey, c'est toi le puant qui fait les gros titres. Ouais, c'est vrai que je suis une star, je suis assez réputé. Ouais, on va remonter plus loin, à gauche, ça devrait le faire. Tiens, il y a un sac sur la droite, sur la gauche du parc, pardon. Ils ont 160. Ok, c'est pas grave, j'ai dû y aller les gars. Comment c'est le combat? Ça charge? Qu'est-ce que c'est? C'est un bug? C'est très bizarre. J'ai des alliés ou pas? Oui, c'est bon, j'ai des alliés. Je compte sur toi, parfait. Très bien. Ok, on va tirer ces deux là. Allez, viens les frérots. Avec combo de repoussement, c'est pas mal. On sera peut-être copains un jour. Attention, il va m'infliger des goûts, ça risque d'être assez dégueu. C'est bon, j'ai de la place pour un hamburger entier. J'ai pas mal de problèmes en ce moment et vous cognez dessus est l'un d'eux. Yes. Alors toi, mon frérot, tu vas prendre clairement ce que tu mérites. Et vu que tu viens de jouer, t'auras saignement dans pas longtemps. T'auras qu'à raconter que tu t'es coupé en t'épilant. Faut des CM1, vous êtes du genre bagarreur. Ah putain, oui, lui, il attaque d'ici. Ah, c'est terrible. Tu en plus, là, la crotte de nez. Hein. C'est l'heure du médicament, les CM1. Ok. Yeah. Ouf. Laisse notre ami tranquille. Ok, je pense que c'est pas mal. Je pense pas qu'il va nous causer beaucoup de problèmes. Capitaine Diamond s'apprête à frapper. Ouais. Ça, ça me paraît pas mal comme attaque. Aïe aïe aïe. Ces amphires ne sont pas de taille contre nous. Ça, c'est mon bon. Tour maintenant. Remplis-le bien. Moitié homme, moitié cerf-volant. Entièrement justicier. Ok. Voilà ce qu'on va faire. Lui. On et voilà, va le protéger, mec. Parce que c'est le frérot. Un petit 79, c'est plutôt cool. Allez, acolyte, écrase-le. Lui, il va bouger. Et j'ai pensé à quoi? J'ai pensé à ça. Ça ou ça. Mais alors non, c'est pas assez ouf. C'est clairement pas assez ouf. Je pense que celui-là me paraît, encore une fois, pas mal. Cet aimant est vraiment cool. Avant, on l'utilisait pas, mais là, on se fait plaisir. Ok, il y a notre ami l'OHP qui va attaquer le coup. L'enseignement, il est mort. Si vous cherchez le coup, vous en répondrez devant ses amis, pas vrai, les mecs? Ouais, ouais, on arrive. Je le sens bien, ce coup-là, les mecs. Lui, il est totalement mort. C'est pas mal, ça. Le petit dégoût, c'est normal, ça fait partie... Bon, qui sera le suivant à part moi, ça fait partie du jeu. T'avais qu'à pas être à portée de crachat. Ultime prêt, c'est pas mal non plus. Bon, il est totalement mort, Capitaine Diabète, j'adore, les gars. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il reste plus lui qui concentre. Comment refuser encore, de latter des CM1? Voilà.
Impeccable, t'es bon puante. Bon, qu'est-ce qu'il est réduiré en cendres? Oh, je sais, une colère de cerf-volant. Allez, ça dégage. Ennemi, c'est qu'on va la puissance. C'est bon, ça c'est fait, les gars, 160 de puissance, mon cul, oui. Easy, les gars. Allez, victoire, encore des nouveaux sixièmes. Alors, j'en ai battu 6 en plus, 5 ou 6, pas faire l'américain, 5 supplémentaires. Boum, ça c'est fait, maîtrisé, c'est plutôt cool. Ça donne de l'XP en plus. On peut continuer, les gars, on peut continuer. Ça, j'ai déjà fouillé les sacs, hein. Il est ouvert. Il est ouvert, je pense que c'est par ici qu'il faut monter. Chef de rubrique, c'est fait. Ah, ça y est. On est donc de l'autre côté, c'est là où il y a le Peppermint. Ça, je peux mettre. Et maintenant, un paix. Ça fait tomber ceci qui est nul, c'est nul. C'est totalement nul à chier. Et ça, je peux pas casser. À moins d'avoir un paix totalement incroyable. Ok, on peut continuer. Ça, on n'a jamais fouillé là-dedans. Je pense qu'on va faire le resto. Et là, c'est avec moi que vous avez un problème. Je ne vais pas rester les bras croisés pendant que vous insultez l'appartenance ethnique de cet homme. Mais je l'insultais pas. Je vous demande pardon. Avez-vous, oui ou non, dit que cet homme semblait fatigué? Oui, c'est mon ami. Je lui ai dit, poulot, t'as l'air fatigué. Micro-agression! Des personnes d'origine hispanique ont été taxées de paresseuses. Dire qu'elles ont l'air fatiguées constitue une micro-agression intolérable. Mais je suis fatigué. Toi, tu es le nouveau, c'est ça? Je suis le principal de ton école et je m'appelle PC Principal. On m'a dit que tu voulais me parler des questions de race, alors je t'écoute. Ah d'accord, combat direct, d'accord. Repère les micro-agressions. Ok, c'est du 1v1? Non, tu déconnes. Tu veux en savoir plus sur les races, hein? Montre-moi ce que t'as dans le ventre. Belle journée, n'est-ce pas? Ok. C'est quoi ton problème? On n'attaque pas sans raison, essaye encore. Belle journée, n'est-ce pas? D'accord. Oui, très bien. Ce n'était en effet pas une micro-agression. D'accord, faut que je tape que quand c'est une micro-agression. Bon, deuxième manche. J'ai mangé un hamburger la semaine dernière. D'accord, ça aussi, c'était pas une micro-agression. Okay. Cette fois, je vais recourir à une micro-agression et tu vas comprendre en quoi ça t'offre une occasion. D'accord, tout le monde, écoutez bien. Je vais recourir à une micro-agression dans l'unique but de former cette jeune personne à la voie de la justice sociale. Merci, une micro-agression va avoir lieu. Merci. Mon ami Brian a l'air d'une gonzesse. Micro-agression, frappe-le. Pas mal du tout. Non seulement le terme gonzesse dénigre les femmes, mais critiquer un homme pour ses airs efféminés est aussi une micro-agression envers les personnes transgenres. Voyons si tu peux détecter une micro-agression plus subtile. D'accord. Mon pantalon est chaud. Mon pantalon est chaud. Y'a rien. Ce café appartient à Tim Sherman. Y'avait rien. C'est quoi ton problème? On n'attaque pas sans raison, essaye encore. Ok. Ce café appartient à Tim Sherman. On m'a dit qu'il allait pleuvoir. Ouais, jusqu'ici c'est bon. Jeannette aime le roller. Elle a le droit d'aimer. Monsieur Yamashiro est vraiment très bon conducteur. Micro-agression, frappe-le. Alors il va nous expliquer parce que je vois pas où. Bien, non seulement le terme vraiment insinue peut-être que les autres sino-américains ne sont pas pour conducteurs, mais l'utilisation de monsieur est offensante envers les personnes du troisième genre. Avant qu'on parle de ta race, j'ai besoin que tu t'acquittes de quelques missions PC pour moi. Je te dirai quand tu seras prêt. Allez, tu as gagné victoire. Il va tellement loin le mec, c'est terrible. Hein. Ok, 1,47$, c'est plutôt pas mal les gars. Surprend 5 micro-agressions en cours de combat. Et n'oublie pas que les gens commettent des micro-agressions tous les jours. Je compte sur toi pour le leur faire payer. C'est n'importe quoi. Fais en sorte de péter également sur toutes les races. Sans distinction, le justicier soit ouvert. Ok. Mais au final, est-ce que c'était l'objectif? C'était même pas l'objectif en plus. Sautiller, ça t'empêche de grandir, petit. Tu veux être grand ou petit plus tard? On va aller fouiller là-haut, les gars. Il y a quelque chose à avoir ou pas? Ah yes, je suis à la sortie de dehors. Ça, c'est pas mal, ça. Carte d'abonnement à PC Delta, très bien. Hop, une petite caisse, désolé. J'ai encore oublié les touches, c'est terrible. Ok, par contre, je peux demander un selfie à quelqu'un. Mais à qui? J'en ai strictement aucune idée. J'en ai le super-héros le plus bizarre que j'ai vu de la journée. Bien sûr que je vais te suivre. Allez, ça c'est fait, un nouveau selfie. Le barman. Merci, petit. Je parie que la photo est super cool. Je voudrais exprimer ma volonté de te suivre sur les réseaux sociaux. Acceptes-tu cela? Bien sûr, parce que t'es le frérot. Oh la gueule. Il est génial. PC principal.
C'est bon. Merci, je suis ravi à l'idée de développer une relation sincère avec toi sur les réseaux sociaux. Ok. Bon, lui, faut pas le faire chier dans la vie. Hein. Clairement pas le faire chier dans la vie. Bien sûr, allons-y. Et là, on a le frérot aussi, jamais fait. Youpi ! Monsieur T... Ah mais si, mais c'est Monsieur Testaburger ! J'avais pas reconnu du tout, j'avais même pas fait attention pour être honnête avec vous. Ok, on peut y aller. On traverse, on a réussi à fouiller derrière. Je prierais bien pour toi, mais je dois me concentrer sur on va peut-être aller là, non ? Ah, c'est pas mal ça ! Parce que ici, on a un ingrédient, donc déjà, on va activer le flash. Ça me paraît cool. On va save aussi, ça me paraît cool. Hop. Allez, bonne chose de faite. Et on est parti au City Walk. Un policier. Ah, quelque chose pour un adjoint en formation ? Youpi ! Allez, agent Barbrady. J'apprends à entretenir des liens avec vous, les jeunes. Ok, on va fouiller là-haut quand même, on sait jamais. Là, je pense que ça va partir en couille. Hein. Oh, il y a du yaoi. Vous l'avez vu. Allez, cuillerée de tweak. Ok, c'est parti. Ça vient directement d'Orient ou autre part. Artefact 20$. Est-ce qu'on a un objet de mission? À la voyure. Attendez. Achète des crevettes City ultra épicées. Ok. Passe commande, merci. Crevettes. 5$. On n'a pas le choix. Commande. On n'a clairement pas le choix. Ça, j'arrive c'est fait. Pas à croire que j'ai accepté. Ok, c'est bon. Ça, c'est fait, les gars. Aucun souci. Trouve une tortilla, achète des crevettes. Et trouve le pissat vieilli sur le toit qui est ici. Est-ce qu'au moins on peut aller sur ce toit? C'est là le problème. Ah, par contre, regardez ce qu'on peut faire. Attendez. Quand il y a le signe d'une photo, on peut faire quelque chose. Je sais plus c'est quelle touche. C'est très bizarre. Ok, on va rentrer. Je pense qu'il y a un étage. Oh là là, frérot, toi, j'ai une photo avec toi, c'est sûr. Allez! Bienvenue à la foire aux armes. Ok. J'étais pas dans mon assiette la nuit dernière à l'hippo. Et j'ai perdu mon portefeuille. Retrouve-le et t'auras une récompense. Trouve le portefeuille de Jimbo à l'hippo. C'est trop nuque. Je l'ai pas déjà d'ailleurs. J'ai de la marchandise toute neuve. Viens te servir. Il n'y a pas d'objet de mission. Objet de création de base. Va non, bon, les méchants. Il y a un souci, les gars, c'est que c'est sur le toit. Mais alors, comment y arriver? Ah, mais non, c'est encore plus à gauche. Ça, c'est le Jinbo's Gun. C'est pas là que ça nous intéresse. Ok, j'ai appuyé trop vite sur le bouton de selfie. C'est plutôt par ici. Ok. Où sont cachés ces saloperies de chats? C'est pas ici, hein, c'est sur le toit. Il y a des jeunes ici. J'ai peut-être ma petite idée, regardez. On va revenir en arrière. Garde tes proutes dans ton trou, face de zob. Je pense qu'il faut faire ça. Et ça pour créer une plus grosse explosion, peut-être, non? Si je fais ça. Non. Bon, on va s'occuper d'eux. Ok, c'est pas mal. On a mis déjà des goûts à deux personnes. Ah putain, merde. 105, ça va être terrible. La justice vient du ciel. Il va y arriver, Trudic. Ok. Ça c'est fait. Avec combustion. C'est bijou qui régale. Poubelle à quatrième. Micro-agression. Frappe-le. Mais c'est quoi ce délire? Mais c'est énorme! Genre ça peut arriver maintenant en plein combat! Oh mais en plus hein, c'est un flash là les dégâts! Pour ça qu'il prend, enfoiré. C'est tellement stylé! Ok. Alors là ça va être compliqué, il est loin. Mais on peut y je aller. T'es coulé. T'as l'air en forme, Koon. Donc tu peux normalement dire, il a dégoût et saignement. Non, il a pas saignement. Faut que je réfléchisse à une stratégie. On va remonter le temps pour le frérot. Voilà, comme ça vous il se fait pas attaquer. Enculé.
C'est pas mal. Et l'autre, il peut pas m'attaquer juste au-dessus. Qui emmerde ma peau. Et en plus, il brûle. C'est plutôt propre, les gars, là, non? À mon tour. Ok. Hop, on va le rejeter sur son frérot. Joli mouvement du poignet. C'est pas mal, ça. Je ne suis pas peu fier. Quoi, tu vas pleurer, CM1? Ok, ça, c'est avec lui. Allez, ça dégage. Alors, on va... Oh, je suis en l'air. D'accord. Lui... Peut-être pas ça que j'ai envie de faire, finalement. Non, il n'y a pas de repoussement là-dessus, donc c'est bon, on peut le faire. Ça, c'est très beau. Et ça, regardez, ça, c'est du jackpot, hein, je vous l'annonce. Hein. Je vous l'annonce, c'est du putain de jackpot avec repoussement. Aïe, aïe, aïe. Pas mal, le nouveau. Ça, c'est très, très propre, ça. Lui, il peut rien faire, malheureusement. Il est totalement bloqué. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va lui mettre saignement, lui il est totalement oh, mec, mort. J'ai peur que t'aies touché une artère. Ah, j'espère bien. Ça ne s'annonce pas très bien. Aucun souci. Bonne saignement, ça l'a tué. L'autre combustion, ça va le tuer. Ah, par contre, là où c'est chiant, c'est qu'il a pu prendre la place de. Forcément. Ouf, tu t'en es sorti de son pote qui est totalement mort. Ça fait que j'ai subi deux attaques et ça, c'est un petit peu terrible. Ça, c'est M1. Ok, c'est pas mal. Il est mort. Totalement mort. L'heure de diabète a sonné. Ça, c'est pas mal. On y va et on prend sa place. Bonne chose de faite, encore une fois. Dégoût d'infliger. Oh putain. Hé, hey, regardez pas les PD. C'est bon, il doit le préparer. Je sens la colère qui monte là, pour être franc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire ça. Comme ça, le coup, va pouvoir bouger calmement. Faut y aller, Trouduc. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ça. Ou ça. Ou ça, si je me mets là. Voire même si je me mets là. Et ça me paraît pas mal. Allez hop, comme ça, j'en tue un. Et normalement, il peut plus jeter sa capote dégueu. Il va rien voir venir, mais sache que ce sera le cône. Ok, qu'est-ce qu'on a là? On a rien à faire. On a juste rien à faire. On peut passer notre tour. Capitaine Diabète, à l'assaut! Et lui, c'est terminé pour vous, les sixièmes. Râlez-vous! Hey, vous êtes totalement cernés. Je m'en suis totalement seul, mec. Content que vous ayez été là pour regarder. Bon, allez, GG, les gars. Aucune perte, cette fois-ci. On devient bon. On est bon au monstre, clairement. Clairement, clairement, clairement. Ça, c'est fait. Ça dégage. Donc, suite de nos aventures, c'est par où? C'est par ici. Oh, bah d'accord, toi tu passes clairement. Prépare-toi à avoir un karma merdique, petit. Ok. Donc là, va falloir appeler le frérot. Correspondance trouvée. C'est parti, je vais devoir lui chier à la gueule. Quelqu'un a dit diabète? Allez! Diabète au destroy! C'est parti! Eh ben, c'est pas mal ça, les gars, tout ce qu'on a réussi à faire là. Je sais pas ce que vous en pensez. Par contre, il y a un problème. Bah oui, il y a totalement un problème. C'est que je dois pas aller par là, en fait. Mais au moins, c'est ouvert pour les prochaines fois. Je dois aller sur le toit de ça. Le bar à vin. Mais alors, comment? Comment? C'est une très bonne question. Pas maintenant, gamin. J'essaie de draguer des poulettes. J'aime pas beaucoup les gens qui font des selfies. Mais faisons-en un quand même, t'es. Allez. Hop, je drague des selfies. Ça, c'est super, cool. À la prochaine, t'es. Ah, le sac est là-bas. D'accord, la putain de feinte. Regardez, on dirait trop que le sac est sur la chaise. Donc j'y ai cru, je suis tombé dans le panneau, bien joué à eux. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a la porte de derrière. Je pense clairement que la porte de derrière nous mènera. Voilà. C'est mafieux. Tu te rappelles quand les films de Superman n'étaient pas si déprimants? Ah, si, je me rappelle. Ah, je me souviens. Tu te rappelles quand le costume de Batman avait des tétons? Bien sûr que je me rappelle, je préférerais peut-être pas d'ailleurs. D'accord, ça c'est fait. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de passer derrière le bar? Non. Ça c'est compliqué. Hein. C'est compliqué parce que là... Je vois pas ce qu'on peut faire. Je vois juste pas ce qu'on peut faire.
J'ai déjà vu cet enfant. Ouais. Je sais pas. Je sais pas ce que j'allais faire avec. Bon. Alors là, c'est compliqué, ça, cette histoire. Peut-être qu'en cassant ça... Réfléchis. Os de poulet. Ah. Ami pas encore débloqué. Ah d'accord, bah alors là c'est un problème par contre. D'accord, ok, c'est par là je suppose. Mais alors là, ami pas débloqué, ça c'est un sacré problème. C'est un sacré problème et je pense qu'on verra bah tout simplement la prochaine mission. Et à mon avis, il faut faire le choc des mondes parallèles. Donc on va stepper et je pense qu'on verra ça la prochaine fois. Mais on est sur la bonne voie. Et là, par exemple, si je fais ça. Ami pas encore débloqué. D'accord. C'est que il n'y a pas de possibilité. On verra un petit peu plus tard, les gars. On va se TP. Et on ira chez Kale pour trouver cet ami, justement, le débloquer. Quelqu'un a demandé un voyage express? Et je pense qu'on n'aura pas de soucis. Et donc, je peux me TP rapidement ici. Joli le nouveau. Mais bon, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire, les amis, pour cette vidéo. C'est touchant et ça fait extrêmement plaisir. Je vous fais des bisous. Et voilà. Et je vous dis, portez-vous bien. À la prochaine tout le monde, ciao ciao.